Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil Village avec l'épisode 13. Évidemment, comme d'habitude, un casque ou des écouteurs. Plongez-vous si possible dans le noir et prenez un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble, ça va être très 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 sympa et cousu, n'est-ce pas? On avait été récupéré dans la maison Beneviento le deuxième flacon, voilà, et puis on a résolu quelques petites énigmes comme ça qui se baladaient, et on avait des choses à mettre non seulement ici, mais aussi ici. Je pense que là-bas, ça sera entre guillemets la zone finale. J'ai plus du tout de munitions, j'ai plus rien, c'est terrible. Il n'y a rien qui me raccroche à la vie maintenant, hein, ça faut le savoir. On a un pont-levis ici. Oh, attendez, tiens. Mais attendez, mais qui dit pont-levis? J'ai de quoi... Normalement, non? Regardez. La manivelle? El maniveros? Attendez. Mais alors, c'est impossible d'utiliser ça ici, bien sûr. Ça paraissait tellement évident. Bon, ben je... On a fait ça pour rien, mais on est juste à côté de la suite, hein. On a un truc aussi ici, oui, c'est sûr. Estrade de pierre. Simple curiosité professionnelle. Non, c'est une rivière qu'on a, tout simplement, d'accord. Je pensais que c'était un chemin qui menait dans les profondeurs et j'étais pas allé au bout en me disant « Oh non, mais c'est bon, la suite c'est un petit peu plus tard. » Mais ce n'est pas le cas. Il me reste très peu de balles, j'ai même pas de quoi craft. Ouais, je suis littéralement ruiné. Par contre, on va peut-être... À votre service. On va peut-être acheter un ou deux trucs parce que là, j'en ai marre, d'accord. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Putain, le prix de la balle. On va acheter au moins 10 balles, hein, parce que... 10 balles ou je remballe, non? Un choix intéressant. Au diable l'avarice, comme on dit, évidemment. Et j'ai encore beaucoup de trucs à vendre. J'ai quand même de quoi me faire de l'argent. Vous savez quoi, on va le faire tout de suite. Je pense que ça sert à rien de le garder. Je le garde à chaque fois. C'est terrible parce que dans ce genre de jeu, je garde tout comme si c'était Giga Collector, mon ref. Alors que quand on a fini, je suis là, on me demande... Bah, je suis un connard, j'ai tout gardé, mais ça ne sert à rien. Le calice aussi. Bah oui, n'abusons pas des bonnes choses. Allez, c'est bon, vendez aussi. Mademoiselle Enchi. Voilà. Elle est adorable. Les poupées en porcelaine sont très populaires. Alors... rechargement, et là on a du 11 000 en capacité. Bon, ça sert à rien la capacité, vous allez me dire pour l'instant. Étant donné que j'ai pas de balles. Ça, on est bon. Ça, franchement, on prend parce que ça. La balle, elle pèse très lourd, si tu vois ce que je veux dire. Et cadence de tir, en vrai. Un instant, je vous prie. On n'a pas peur. Voilà. Eh, on est pas mal là, on améliore bien. Oh, la balle de pompe, c'est tellement cher. Non, mais je peux pas acheter tout ça. Faut pas être bête, c'est pas quelque chose de bon. On va prendre... Voilà. Sur un malentendu, je pourrais peut-être faire quelque chose de très sympa. Allez, on reload et on est parti. Les amis, un nouveau pan du jeu s'offre à nous. Là, souvenez-vous... Oh, mise à jour de Mass Effect. Incroyable. Non, ce n'est pas un indice, vous n'aurez pas de... Ah oh vous n'aurez pas de let's play sur Mass Effect. Quoi? Mais il me bouffe les couilles! Ah non, c'est la jambe, ça va. Ah, mais non, c'est les couilles! Là. Okay. Mon ref. Ah. 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 Oh non. Oh là là, mais gros, j'ai...
Mais c'est pas possible! J'ai plus de balles, j'ai plus rien, frérot! Tout le monde me bouffe le cul, là, dans le jeu! C'est incroyable! Ethan! On prend trop, là, mon frère! Mes blessures sont graves! Je n'en ai plus pour longtemps! Je peux l'entendre rôder dehors! Il a à peine bronché quand je lui ai tiré dessus! J'ai l'impression qu'il joue avec moi! Cette chose n'est pas un loup ordinaire! Merde! J'y étais presque! Si seulement j'avais atteint la cabane du moulin à eau! J'aurais pu tuer cette chose avec l'arme qui s'y trouve. Mon Dieu, j'ai tellement froid. Mes jambes ne répondent plus. Pardonne-moi, Louisa. Oh, il fallait que j'aille au moulin à eau. On aurait pu le tuer plus facilement. Ouais, je me doute de ce qu'il y a. Vous voulez savoir? Le lance-grenade. Info quasi sûre. Mais il est où ce putain de moulin à eau de merde de... Ah, c'est terrible! Ok, quoi? On a quelque chose plus haut, là. Ah, peut-être que la clé de Louisa... servira ici, n'est-ce pas? On va passer par ici. Micro-cascade. Normalement, tout ça, on avait fouillé. Hein. On avait fouillé. J'ai une balle, je crois, de pistolet. Ouais. Une balle. C'est pas beaucoup. On a de la volaille, on a une porte mécanique. Très intéressant, ça. Bon, bah oui, c'est évident. Hein. Je suppose qu'on trouvera la manivelle un petit peu... plus tard. On est d'accord, j'ai pas de manivelle, hein. Voilà, ce n'est pas apparu entre-temps, n'est-ce pas? On peut continuer, terrible. Est-ce que je peux... Oui. Vous savez quoi? On va tenter un move extraordinaire. Il y a beaucoup de sang ici. Il y a beaucoup de sang et le move n'est pas là. Attendez. Oh, le bâtard! Bon, bah là, c'est définitif, je suis dans la merde. Voilà. Oh, non. Quelle vie, les amis! Mais là, on est ric-rac, hein, littéralement. Hein. Oh, quelle vie, je peux me faire ça? À la limite. Mais c'est une vie, ça? Bah non. Non, c'est pas une vie. Non, je veux vous entendre. C'est clairement pas une putain de vie. Oh là là. Le moulin à eau, je suppose que c'est là-haut, là où ça a été ouvert. Je vois pas du tout. J'ai plus de balles. Hein. Là, on y va en mode... En mode que quelqu'un me vienne en aide. Ouais. C'est terrible. Et là, c'est totalement fermé. C'est chiant, ça. Hein. Vraiment, il me casse les couilles. Attends. J'ai peut-être un truc à faire. Ah non, il n'y a pas du tout de cadenas sur la longueur. Dommage. J'aurais bien voulu qu'il cache un petit truc un peu malin, tu vois. Il faut l'avoir de loin. Ok. Un petit récap, une dernière fois, s'il vous plaît. Sait-on jamais. On sait qu'on a des poules là-haut. En vrai, je vais tenter les poules. Quitte à partir, autant partir dans la gloire. En ayant démonté toutes ces poules. Oui, voilà, ok, c'est totalement là-haut. Elles sont enfermées là. Oh là là, saleté de poules. Ok. Non, il y a de toute évidence... Ah, attendez. Non. Il n'y a rien. Que nenni, il faut que je trouve une sorte de manivelle. Mais écoutez, on va faire simple. Hein. Le jeu, voilà, je vous implore. Si vous ne me donnez pas de munitions, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Vraiment. Donc, s'il vous plaît, jeu vidéo, c'est maintenant qu'il faut donner des munitions à Bibi, d'accord? Là, ça, on peut en faire quoi? Rien du tout. Et y'a rien qui traîne, pas de trésor. J'ai une balle, une putain de balle. Qu'est-ce que tu veux que je branle avec une balle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est couvert d'une substance, mais pas indestructible. Ok. Je savais pas que donner des coups de cut.
Bon, là, ça a l'air de rien faire. Là. On va se taper des gens gluants, si je puis me permettre. Ok, on peut rien faire ici. Et ici, il n'y a plus rien. Très bien. On y va. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai plus rien, moi. Je, sincèrement, je vous le dis, voilà, je n'ai plus rien. Je n'ai pas de quoi me défendre. Je suis mort. Je vois pas. Quoi? Ah non, c'est des cochons, putain. Ok, allez, on est parti. Direction le moulin. Avec un noble qui plus est. Oh. Qu'est-ce que je suis censé faire? Vous m'aidez les cochons? Ok. Viens là. Désolé. Désolé. Aïe! Oh bro! Il se défend celui-ci! Si je... Putain, si on m'avait dit que je courrais après un putain de porc dans Resident Evil 8 avec un putain de couteau, je vous aurais jamais cru. Vache, elle est balèze, hein. Waouh. On a toujours rien. Non, c'est pas vrai. Oh, là... Il va me tuer, le con. Un des seuls qui réussira à avoir ma peau dans le jeu, c'est un putain de porc. J'en ai marre. Quelle vie, putain. C'est pas vrai! Viens là! Oh là 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 là, terrible! Je suis désolé, bah oui, bon bah voilà, il faut faire ce qu'il faut, hein. Ok. Ok, écoutez, pour une fois, je vais essayer dans une autre sauvegarde parce que là, c'est compliqué tout ça. Ascenseur vers le lac. Photo d'un animal rare. Je l'ai déjà eu, je crois, le porc blanc, si je puis me permettre de l'appeler ainsi. Le cochon shiny. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Ici, c'est la sortie. Ici, je suppose qu'on a rien. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, il faut que je trouve des balls. Il faut que je trouve une boule. Vous avez remarqué, chaque noble a son petit château, son petit parcours à faire. Il faut que je le trouve. Donc là, on va vraiment dans un lac. J'ai pas une munition, j'ai rien du tout. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Dites quelque chose, le chat. J'y vais avec mon couteau comme un con. Ok. Je peux vous dire que les balles que je vais trouver, je vais les lécher, mon frère. Tu vois ou pas? Allez, direction l'enfer, évidemment. Chaque balle trouvée, ça va être léché avec amour. À gauche ou à droite? Ah, c'est à droite. Et là, il n'y a rien, on ne sait jamais sur un malentendu. Y a rien. Oh! Les mines. Évidemment, c'est fermé, hein, je pense. On a quoi, là? J'ai cru voir un trésor, mais non. Ok. On pouvait aller tout droit, me semble-t-il. Voilà, on pouvait passer par ici. D'accord. Je vois des caisses, mais inatteignables. C'est... je reconnais ça, c'est quand on fait pipi sur les gens. Le jeu me pisse dessus. Voilà, ma seule issue, c'est là-haut. Allez, putain, s'il vous plaît, genre, une petite boîte de mûne, quelque chose, quoi. J'aimerais bien, au prochain adversaire, ne pas être ridicule. Ok, c'est bon, ça devrait être un peu safe. Oh, non, pourquoi je suis allé là? Oh non. Oh, mère Miranda!
ferai n'importe quoi. Je vais tenter un truc. Je me permets de prendre ça? Attends. Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant spécial de ma mère? C'est pas sa fille. Oh, tu as quelque chose à redire? Qu'est-ce que t'entends par son enfant spécial? Maman veut récupérer son bébé. Ne fous pas de ma gueule. Attends, je t'en supplie. Si tu prends ça, les autres vont se moquer de moi. Mais si jamais, je fais mieux qu'eux. J'ai rien à foutre. Attends, encore un petit peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Imbécile, tu parles trop. C'est terminé. Tu es pris au piège. Ici, c'est mon territoire. Et jamais je te laisserai partir. Ok. Putain de taré. Non mais des mûres, non les gars, on est où là? Des putains de mines, s'il vous plaît. Je ne te laisserai pas la voir. Même si tu m'entends. Des mules, je veux juste des mules, mon rêve. C'est possible. Je sais pas, j'espère quelque chose à chaque fois. Je vais casser au cas où. On sait jamais. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Mais c'est nul son pouvoir à lui là. À part de la morve. Ah, comment je sors d'ici? Oh, j'ai ma petite idée, hein, Ethan. Hein. Ça va pas te plaire. Hein. Ça va pas te plaire. Hein. J'ai toujours une balle. Voilà. C'est vraiment au cas où, tu vois. C'est une balle. C'est pas deux. C'est une putain de balle. Merci, bah putain. Incroyable. Qui l'eût cru? Il doit y avoir un moyen de casser ça. Alors, mon ref. Oh! N'importe quoi! Totalement ridicule! J'y croyais pas hein, quand je l'ai fait, je vous promets que. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je sais pas où je vais. Je comprends vraiment pas. Je peux aller là? Attendez! Ah, d'accord. Clé fœtus à 6 ailes. Bah alors, attendez, parce qu'il y a des trésors et tout derrière. Ça, c'est incroyable, ça. On va aller derrière, parce que je pense que derrière, on était plus sur le trésor. Oh! Là, cette porte-là, ça me dit rien. On est d'accord, elle était totalement fermée, non? Non? Ah! On n'est jamais allé là. Et il y a une arme dans le moulin, n'oubliez pas. Il y a forcément un bail ici, non? J'ai entendu un bruit suspect. On a un trésor là-bas. Oh là là. Ok. On a un petit trésor des familles. Quoi? Non, la dernière fois qu'on s'est... Non, quoi? Non, la dernière fois qu'on a fait ça... Oh non! Non.
Resident Evil 4, frérot, si t'as suivi mon let's play, terrible. Laisse la clé du bateau dans la cabane, au fond de la mine. Hans est mort et je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête la pêche pour le moment. Sa mort n'était pas un accident, le pauvre s'est fait bouffer par un poisson géant, lui et son bateau. Oh là 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 là. Quel enfer, terrible, terrible. Bon bah c'est la suite de nos aventures ici finalement. J'y croyais moyen pour être honnête avec vous. Mais il faut aller au fond de la mine. Il y a trop de choses un peu partout, c'est terrible. Ok, c'était par là. Comment savoir où aller exactement? Je sais même pas pourquoi j'ai éclaté le truc gluant. Je me dis sur un malentendu, tu sais, ça va peut-être faire un bail chelou et tout. Ok, la clé est ici hein. J'annonce que si c'est un loup-garou, je suis mort. Voilà, c'est dit. Rien à péter. Hop, dans le boule. Aïe! Oh non, c'est pas le moment de lutter. J'en ai marre, foutez-moi la paix, mais foutez-moi la paix! Oh là là, je suis en train de me faire un soin. Terrible, terrible, terrible. Non. Non. Ok. Oh non, 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 alors toi. Ok, bon, j'ai compris ce que vous voulez. Ok. Ah. Je vois pas comment survivre. Merde. Toi, tu me casses les couilles. Tu me casses les couilles. Oh là 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 là! Cette difficulté! Moi je kiffe! Ok. Il y aura jamais rien là-dedans. Hein. Il y a quelque chose ici, il y a des trésors. Mais laissez-moi tranquille! C'est pas possible! Je veux le vendeur. S'il vous plaît, je demande un vendeur. Comment je suis censé faire en vrai? Alors là, vous allez me dire, ouais, mais B-Boy, t'abuses, tu les encules tous alors que tu peux juste courir. Vous avez pas tort. Ah bah sur ça, vous avez pas tort. Mais c'est le plaisir avant tout, putain, c'est le plaisir avant tout. Il y a quelque chose pas très loin, mais où j'en ai aucune fichue idée. Il y a un petit trésor des familles. Est-ce qu'on peut monter là? Ouais, non, ça me paraissait beaucoup trop beau. Bon, il y a un trésor ici. Écoutez, on reviendra en vrai, c'est pas très gênant pour le coup. Ça y est, on peut passer à la suite. On peut littéralement passer à la suite. J'ai toujours plus de balles. Incroyable. Qui l'eût cru, certains diraient. C'est où la sortie là? Attendez, c'est là. Allez, on est reparti. Alors comment voulez-vous que je tue un poisson géant avec comme seule arme?
ce jeu de mort. C'est bon, ils m'attendent. Je... Je suis mort. Quel enfer. Ouais, je m'enfonce en enfer là. Je vois aucunement comment on va s'en sortir. Sérieusement. Hein. Quoi? C'était quoi? Bah, c'était quoi, connard? Non, mais excuse-moi, Ethan, mais bon. Ok. Oh la vache, il manipule bien le bateau, lui, hein. Allez, le vendeur, quelque chose. Vendeur? Il y a le vendeur. Je crois qu'il y a le vendeur. Il peut y avoir que le vendeur ici, d'accord? Attendez. On va aller... Attendez. Il n'y a pas le vendeur. Oh non. C'est quoi tout ça? On dirait un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Lâchez-moi! Reste à terre, putain! Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. T'as tué Mia. Alors bique-moi, finis le boulot! Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement? On sait ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein? Hé! Hey, vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec... Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Des échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Et en dehors de... Attention! Pas le temps, là! C'est trop tard! Miranda, prépare déjà la cérémonie! Miranda, t'en veux pour me ralentir? Tu fais pitié! Dis pas ça! C'est pas juste! Je devrais être avec elle, pas toi! Mais de quoi tu parles? Putain, mais c'est quoi ton problème? Je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Bon sang. Pourquoi? Pourquoi? Et j'ai pas de balle? Wouh! Pas de balle! Wouh! Je veux juste partir! Ok? Oh là 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 là! Un vendeur, un point de save et on se fout en l'air! Oh, une clinique! Ah bah ça c'est cool! Maintenant, je fais quoi? J'en sais rien, putain. J'en sais rien, moi, ce que je fais. J'en ai aucune putain d'idée, Ethan. Ethan, tu vois bien qu'on... Ça fait deux jeux qu'on est les salopes de tout le monde. Chris Redfield, il se fout de ma gueule, il veut rien me dire. Il me laisse crever, tout le monde a rien à péter de nous. Il a dit que la sortie était sous l'eau. Oui, bah oui. Non, c'est pas vrai.
Ok, diagonale rouge, bleu, 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 et ok, ok. Oh, merci. Merci, 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 bienvenue. Merci. Oh là là là. Merci j'ai à toi. Un coup d'œil à mes derniers articles. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oui. Hein? Hop. Voilà. On a acheté 2 soins, mais c'est pas trop. Oh, merci d'être là. On verra ça plus tard, mais là... Je vous souhaite de faire bonne route. Incroyable. Un frère. Je vous le dis, c'est un frère. On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Allez, démune. Démune et tu me rends tellement heureux. Ok, d'accord. Trophée obtenu. Envie pressante. Ouvrir la porte de toutes les toilettes du village en cours d'une partie. Eh, ben c'est trop bien ça. Alors, quand on vous dit qu'ici on fait les choses bien, bon, on va save. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Quel épisode, quel épisode. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Bisous tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao.